sur 4? Quand est né Jésus-Christ? Déjà, rien que là, il y a un souci. Tu peux pas avoir 0 sur 4. J'en sais rien, j'étais pas né. Je sais pas ce que ça fait d'avoir l'intelligence d'un mouton de prairie, mais ça doit être dur à vivre. Ce que j'essaie de te dire, c'est que la réponse c'est 0, tu l'as pas eu. 0. C'est écrit dans ta note. À la place de ta daronne, j'aurais même pas interdit la play, j'aurais interdit le droit de séjour. Ok, des petits calculs tranquilles. Pas mal. Mais en fait, tu peux même pas juger, frère. Ça nous est tous arrivé. Tu fais ton exo et au bout d'un moment, tu pètes un câble, tu rayes de partout. Lui, il a fracassé son crayon comme si c'était une bombe. Le nombre de fois en maths où j'ai voulu déchirer la copie, franchement, force et honneur, mon chef. La distance entre Terre et Lune est de 79 km. Mais toi, en plus d'être mauvais en maths, t'es super con. Tu vois bien qu'il y a un souci. Normalement, 79 km, ça se fait en train. Est-ce que tu prends le RER B pour aller sur la Lune? Le pire, c'est que t'as eu 0,5 points. Elle les a trouvés où, les points? Oh, je viens de capter. On demande la distance Terre-Mars. Là, ça mérite des points négatifs. Là, tu mérites moins 4 sur 20. Non, mais je pense à ce niveau-là, c'est même plus de la gentillesse, c'est de la pitié. Elle s'est demandé, elle allait faire quoi de toi? Elle s'est dit, vas-y, je mets 0,5 points et peut-être que ça l'aidera à aller travailler à McDo.